Et ben voilà. Deux choses égales à une troisième sont égales entre elles. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un exemple que vous, depuis beaucoup d'années, vous utilisez. Par exemple, le calcul suivant, 3 fois 7 plus 2 fois 9 égale. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? D'abord les multiplications parce qu'elles sont prioritaires. 3 fois 7, 21, plus 2 fois 9, 18, égale 21 plus 18, égale 39. Alors, qu'est-ce que ça a à voir ce titre avec cet exemple? Tout simplement, regardez cette première expression numérique, je vais l'appeler A. Cette deuxième expression numérique, je vais l'appeler B. Et cette troisième, autrement dit le résultat de tous ces calculs, je l'appelle C. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a que A égale B et que B égale C. Et du coup, on trouve que A égale C, parce que tout le monde va être d'accord que tout ce qui se cache derrière le A, c'est le nombre 39. Ou si vous voulez, 39 se décompose comme 3 fois 7 plus 2 fois 9. Et c'est exactement ce que cette phrase dit. Et cette phrase, d'après Euclide, on appelle ça un axiome. Axiome ou notion ordinaire. Voilà. Merci Euclide, il y a 2300 ans.